Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 49 sur console. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur console. Donc voilà, je me suis dit qu'il était peut-être temps, la série n'est pas morte. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi que je vais peut-être avancer un petit peu sur cette carrière hors caméra. Histoire d'avancer un petit peu quand même, parce que sinon ça va durer vraiment. Ça va faire je sais pas combien d'épisodes, hein, parce que là déjà c'est l'épisode 49, je trouve qu'on n'a pas avancé beaucoup. Donc j'ai acheté le champ là. Je vais mettre du maïs. Bah, l'ouvrier va mettre du maïs, hein. Moi, je vais aller faire autre chose. Donc, la maïs. Attendez. Attendez voir. Attendez, je vais revenir sur celui-là. Ici, je suis en train de mettre du blé. J'ai déjà mis une grande parcelle de blé juste à côté là-bas. Sinon, bah, j'ai mis du colza un peu partout. Donc, la machine à patates est restée là. Le champ. Hop. Le champ là, il est fini d'être déchaumé. Hein. C'était là où il y avait les patates dans l'épisode juste avant. Donc voilà. Donc je vais ramener ça. Et je vais ramener le semoir à la planteuse à patates. Oh là, il lève du nez. Bon, petite vue intérieure. Et je vais mettre les patates. Ou je vais mettre un ouvrier, je sais pas. Parce que j'ai de l'engrais à mettre dans tous les champs. Ou bien je vais mettre de l'engrais hors caméra, peut-être. Ouais, je crois que le son est un peu fort. Attendez, 2 secondes. Voilà. Donc j'ai vendu tous les silos qui étaient en ensilage. Comme ça m'a fait un peu de sous. Un tracteur lève du nez, ouais, c'est chiant. Ouais. Attendez, on va aller en vue comme ça. Parce qu'en vue intérieure, c'était pas beau, puisque vu que le tracteur lève du nez avec le déchaumeur, ouais, c'est chiant même. Désagréable. À conduire, c'est désagréable. Voilà. Ça donne des à-coups et tout, c'est vraiment pas cool. Faut mettre le. Faut vraiment que je mette le gros Dutch. Le gros Dutch, je l'ai mis sur. Oh là là, il tombe pas. Le gros Dutch, voilà, il est avec le semoir à maïs. Peut-être si je peux m'approcher juste pour vous montrer que ça lève. Je vais me prendre une voiture tout à l'heure. Donc je mettrai le gros Dutch directement dessus, ou bien peut-être que quand on aura les moyens, on prendra un articulé, on verra. Un articulé, ça pourrait être pas mal. Après, ouais, si c'est juste pour faire ça, l'articulé, ah bah on le mettra sur le semoir aussi, au pire. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'emplacement, hein, on est sur console, hein. Donc toujours pas de multi, pas de mode, y a rien, hein, sur console. Hein. Oh là 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 là. J'ai posé ça là, quelque part, je sais pas où. Quelque part propre. Dans mon hangar là. Hop. Ouais, je vais mettre ça là. Je vais tenter de faire une marche arrière. Si je peux. Hein. Une petite marche arrière. Ah, c'est désagréable. Hein. Hop. Je le mettrai plus dessus, hein. Ça c'est sûr. Oh. Oh, le pilote Allez. Donc cette semaine, les vidéos sur PC reprennent aussi. Pourquoi ils glissent maintenant? Ils reprennent aussi les vidéos parce que voilà, j'étais un petit peu en panne. Une petite panne de rien du tout, hein. C'est juste que j'ai encore voulu le. J'ai voulu changer de. J'ai désinstallé et réinstallé. Et en fait, sur Farming, vu que c'est en téléchargement, on peut faire que 3 fois. Et après, bien sûr, oh, putain, fait chier le truc qui glisse. Ça. On peut faire que 3 fois en fait. On peut le désinstaller et l'installer 3 fois seulement. Après, eh ben, faut le racheter. Parce que je pense qu'il compte ça comme si je l'avais piraté en fait. Et en fait, c'est bah, voilà, c'est chiant. Que si je l'aurais acheté en CD. Je pouvais le désinstaller et le réinstaller autant de fois que je voulais. Mais bon, c'est la vie. En fait, tout simplement, j'ai eu un message comme quoi. Comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer vite fait. D'abord, je vais aller remplir mon semoir, peut-être. Je pense quand même moins pour un con. Ça s'est passé en fait, ça m'a marqué un message. Cette copie n'est pas authentique. Bref, je me suis dit, bah merde. J'ai farming sur le PC là depuis que je l'ai, je comprends pas.
Et donc bah, je l'ai désinstallé et j'ai voulu le réinstaller et ça ne fonctionnait plus. Et donc bah, j'ai pas pu vous faire de vidéo comme, bah, comme j'avais annoncé ou comme j'avais promis. Et donc bah, je me suis retrouvé dans la merde. Et donc j'ai dû j'ai appelé d'abord le service service client. Franchement, ils voulaient rien savoir. Et donc je l'ai racheté quoi, tout simplement. Mais je l'ai racheté en téléchargement un peu comme un con parce que j'avais pas envie d'attendre d'attendre une commande. Si il aurait fallu attendre la commande, ben je sais pas combien de temps ça aurait mis. Ça m'aurait fait chier plutôt qu'autre chose. Parce qu'avec les jours fériés, ça pose problème. Donc bah, je l'ai repris en téléchargement. Donc. Après j'ai plus à le désinstaller normalement. Si tout se passe bien. Voilà, j'ai rempli des patates terre. Je n'aurais plus à le désinstaller, donc je me dis que c'est pas grave de l'avoir pris en téléchargement. Donc le temps que je remette mes sauvegardes dans celui-là. Je savais pas au début qu'on pouvait le faire, merci Hornet. D'avoir dit qu'on pouvait récupérer les sauvegardes en fait. En fait ça marche comme sur mon serveur pour PC hein, pour les sauvegardes. Donc voilà, donc j'ai pu récupérer mes sauvegardes. Normalement toutes. En tout cas The Leg et tout ça c'est resté donc c'est pareil. Pour la haie des moutons c'est pas grave puisque la haie des moutons c'est sur serveur donc j'ai pas peur en fait. The Leg c'est bon. La map multifree c'est. On a toujours pas trouvé. On a toujours pas trouvé. Parce que la map multifree bah, avait fait bugger mon ordi. Avait fait complètement planter. D'ailleurs c'était arrivé à Guigui, on pensait que c'était ça venait de la nouvelle mise à jour en fait. Et pas du tout, non en fait ça venait de la map. Parce qu'à l'époque on testait, on était en test sur la map. Et on pensait que ça venait de la mise à jour. Et, non, en fait pas du tout. Donc c'est ça en fait, le truc, le temps de trouver les pannes et tout, on perd vraiment du temps. Et sur farming, bah, les pannes c'est souvent en fait. Hop. Allez. C'est en première les patates, je sais plus. Je crois que c'est en première. Je vais tenter la 2, attendez. Je me mets bien. Allez, deuxième. Ah non, c'est en première. Donc c'est bel et bien en première les patates. Donc je vais mettre un ouvrier. Moi je vais partir. Je vais aller voir là. Là c'est la moitié déjà. Alors je sais pas si tout met de le champ ou pas. Parce que j'ai pas mis d'orge. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un petit peu d'orge quand même? Parce que là, ça fait beaucoup de blé quand même. Bon, il faut que je répartisse en blé, je répartis en blé. Hein. Puis voilà. Donc là, normalement, tout est vide. Hein. Je revérifie, hein, on sait jamais. Toutes les boulettes qui m'arrivent. Hop, ouais, c'est bon. Donc l'orcineuse, elle est là. Donc, est-ce que j'ai un tracteur pour mettre sur le truc pour mettre de l'engrais? Je vais aller voir ça tout de suite. Donc pour l'instant ils ont pas. Je pensais qu'au bout d'un moment quand même ils nous auraient offert une nouvelle map ou un nouveau DLC. Toujours pas pour console encore. Je trouve ça. Je trouve long là. Je trouve long là. Il est peut-être temps de sortir quelque chose parce que on commence quand même à s'ennuyer hein, sur console. Hein. Je sais pas pour vous, mais pour moi je commence vraiment à m'ennuyer sur console. Ça devient toujours la même chose. Là, il est vraiment temps de faire quelque chose. Hein. C'est pas une nouvelle map, ça pourrait être pas mal. Un nouveau DLC avec une map dedans, ça pourrait être pas mal en fait. Alors celui-là j'avais mis, là-bas j'ai pas mis. Je vais juste préparer, hein, je vais pas les mettre pendant que vous êtes là. On va rester tranquille à surveiller nos nos ouvriers. Hein. On sait jamais s'ils font des boulettes. Je vais déployer à la ramp quand même. Donc là, hop. Est-ce que je suis bien là? Je dois pas être trop mal. Hein. Ou alors, ouais, non, je suis génial. Ouais. Attends, j'aurais pu finir de la déplier quand même. Quel con. Ah, il m'en a assez bloqué. J'y ai pas pensé en plus, mais alors, mais pas du tout. Hop! Donc, mes patates. Attendez, l'ouvrier, il gère. Hein. Il y a juste dans les bouts qui gère pas. Donc, je ferai les fourrières à la fin.
Ok, est-ce que je crois que mon semoir à maïs, il y en a dedans. Ouais. Donc attendez, lui, je vais l'arrêter par contre. Hop, et je vais prendre sa place. Non, baisse-toi. Voilà. Normalement, c'est en deux. Hein. Non. Attendez, je me suis failli. Et... Allez! C'est temps de reprendre le coup. Hein. Je me suis failli. Là, normalement, il est allumé. En fait, il reste allumé même quand on enlève l'ouvrier, d'accord. Donc en deux, hop. On ira déjà plus vite que lui. Hein. Donc toujours aussi violent la direction dessus. Hein. Ça, ça n'a pas changé. La vache, c'est hallucinant. Ouais, il y a déjà plus de la moitié de fer. On va pas tout faire, bien sûr. Hein. Je suis pas là pour vous ennuyer. Hein. Je suis là pour papoter et passer du temps avec vous. Pas pour vous lasser de faire la même chose tout le long de l'épisode. Donc, hop. Hop là. Je l'ai levé, là. Ouais, je l'ai bien, mais où? Hop. Mon lapin. Super. Oh. J'étais parti en 3. Le cinglé quoi. Gros gros cinglé quoi. Donc je vais essayer quand même d'être plus régulier quand même sur les vidéos console. Essayer d'en faire une par semaine quand même parce que là. Alors ça fait au moins ouais, ça fait bien 2 semaines que j'en avais pas fait, donc je vais essayer d'être plus régulier quand même sur les vidéos console. Parce que voilà, les vidéos console quand même c'est pas mal, hein, ça aide pas mal. Hein. C'est là où j'ai le plus de commentaires à chaque fois pour comment faire ou bah, j'ai beaucoup de commentaires, hein, sur les vidéos console, donc c'est que vous êtes quand même intéressé par les vidéos console, donc je vais continuer quand même au moins une vidéo par semaine. Je pense que ce serait pas mal quand même. Après il faut que j'arrive à tenir parce que j'ai quand même un rythme, c'est quand même un rythme soutenu, hein, de mettre une vidéo par jour. Hein. Ceux qui mettent une vidéo par jour, ils savent, c'est vraiment fou. Il faut tenir, hein, faut tenir la cadence et tout. En plus là j'ai pas mal travaillé sur sur une nouvelle intro, j'y arrivais pas et finalement j'ai fait appel à, on va dire, à des experts. Donc bientôt j'aurai une nouvelle intro aussi. Je travaille plus sur le logiciel de montage aussi pour essayer de faire des vidéos un petit peu plus cool à regarder, plus travaillées en fait. Voilà. Donc j'ai pas mal de boulot. Pas mal de taf à côté des vidéos qu'on peut faire, parce que les vidéos quand on les fait, moi j'appelle pas ça du travail, hein, j'appelle ça c'est du pur bonheur quoi en fait. Mais tout ce qui est à côté, travailler sur les logiciels de montage et tout, c'est vraiment du boulot parce que voilà, il faut apprendre, il faut on connaît pas tout, hein. Moi je connais pas tout, hein. Peut-être que vous connaissez tout, mais moi j'ai plein de choses à apprendre. Donc voilà, ça prend du temps en fait, tout simplement. Et le temps, après, une fois que moi je suis occupé à faire quelque chose, je suis vraiment à fond dans le truc. C'est vrai qu'après j'ai peut-être j'ai pas eu le temps de travailler après sur mes vidéos console et c'est pour ça. Je suis vraiment désolé. Donc on a dépassé aussi la barre des 8000, mais trop vite. J'ai même pas eu le temps de réagir et on est déjà à 8800. C'est un truc de ouf. C'est plus de 150 abonnés par jour, c'est waouh, c'est hallucinant quand même. Oh, c'est vrai, c'est inversé, c'est faut appuyer sur la mâche arrière pour que ça se coupe. C'est vraiment hallucinant parce que j'ai même pas eu le temps de réagir de rien du tout, mais à lui quoi. On n'a même pas commencé à travailler sur la vidéo Top Farming, c'est pour vous dire. Et pourtant c'est une vidéo que je sais très bien que pendant 2-3 jours on va pas pouvoir mettre de vidéo, le temps de travailler tout ça quoi. C'est vraiment halu quoi. Je sais même pas comment on va faire, on va arriver à 10 000 abonnés, on aura toujours rien fait quoi. Bah j'aurais toujours rien fait quoi. C'est ouh,
Allez, Hugo. Donc nous on va se prendre, je pense qu'on va se prendre 2 soirs. On va essayer de tourner 2 épisodes en une seule journée, en une seule soirée, parce qu'une seule journée non, la journée je travaille. Hein. En 2 soirs, on va essayer de tourner des épisodes vraiment 2 épisodes en une soirée. Donc on a vu que c'était possible si on fait 2 épisodes de 30 minutes à peu près. Donc on va essayer de faire ça. Et comme ça après nous on va avoir le temps un petit peu de travailler sur notre vidéo Top Farming. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui viennent d'arriver ou qui regardent que cette vidéo-là. C'est une vidéo où on va mettre 3 tracteurs en compétition. Et un petit peu à la Top Gear. Après, faut pas balancer à Top Gear, hein, parce que sinon ils vont dire plagiat, plagiat. Mais non, mais voilà, on va essayer de faire ça, un truc vraiment un truc hallucinant. Hein. Alors je sais pas si je dois vraiment le faire. Hop là. Si je dois vraiment le faire à leur façon, ça veut dire exactement faire comme si c'était l'émission, vraiment l'émission Top Gear, mais un remake en fait, complètement tout ce qu'ils font, mais avec des tracteurs, histoire de bien rigoler un bon coup. Parce que voilà, j'ai peur que ça tombe quoi, droit d'auteur. Ou bien essayer de faire un truc un peu différent d'eux, mais qui reste dans le même style quoi. Voilà. Donc on sait pas trop encore. On cherche un peu. Je parle avec l'équipe en fait. Et on cherche un petit peu le truc. Mais voilà, moi j'ai vraiment envie de. Tant pis, hein, si ça tombe droit d'auteur, tant pis. J'ai vraiment envie de faire le truc comme si c'était l'émission, quoi. Pour ceux qui connaissent l'émission, c'est vraiment top. C'est vraiment rigolo, il y a une star dans une voiture et tout. Bon bah nous bien sûr la star dans la voiture, ce sera nous en fait, ce sera une star dans un tracteur. Un star dans un petit tracteur, un truc assez rigolo, machin. On a déjà. Bah j'ai déjà en fait tout est dans ma tête en fait. Il n'y a plus qu'à tourner. Voilà. J'ai tout, j'ai écrit les scénarios, j'ai vraiment bossé comme un taré là. Bah, vu que j'étais en panne avec mon farming, j'avais que ça à faire un peu. Donc j'ai écrit tous les scénarios, j'ai plus qu'à leur passer les scénarios et puis voilà. Donc ce sera un truc vraiment cadré en fait. Je fais le truc avec des scénarios, pourquoi? Oh mince, j'avais engagé un ouvrier. Pourquoi je le fais avec des scénarios? C'est juste. Au début en fait, après on fera à notre façon, je les laisserai dire ce qu'ils veulent et moi je pourrais dire ce que je veux aussi dans la vidéo quoi. Mais juste le début en fait, on veut juste que ce soit un truc cadré, que ce soit que vous soyez plongé dans le truc quoi. Tout simplement voilà. Donc hop là. Bon attendez, je vais mettre un ouvrier, voilà, je repasse, je vais passer là, voilà. Non, je vais pas passer là, je croyais que c'était mon semoir. Donc les patates, ça va assez vite, hein, c'est bon. Il roule lui. Il est vraiment beau ce case. Oh là là. Et lui, il a fini. Bon, bah écoutez, est-ce que j'ai d'autres champs dans le secteur? Alors, voyons voir un petit peu. Alors, le 6 et le 5 m'appartiennent. Donc, vous voyez, le 2, le 7 en blé, le 16 en colza, le 20 en colza. Le 6 et le 5, c'était de l'orge, mais ça, c'était avant. Mais m'excusez, un petit peu attrapé la crève. 5 et 6, 5 et 6. Est-ce que je mets quelque chose dedans? Je pourrais mettre du colza au pire. Pas trop long en fait. Après j'ai 319 000. Je pourrais peut-être acheter un nouveau champ. Attendez, regardez combien il coûte celui-là. On est juste à côté. On est juste à côté, comme ça on va aller voir un petit peu. Oh mince. Oh, j'arrête pas de me tromper de touche. Hein. Oh putain, j'achète. Ok. C'est parti. Oui, j'avais dit que je prendrais le champ 18. Finalement, je préfère avoir plusieurs petits champs en fait. Comme ça, je pourrais m'acheter un grand champ après quoi. Avec tout l'argent que j'ai récolté, donc je vais mettre encore du blé. Désolé. Hein. Mais voilà, une fois qu'on sera parti dans le blé, on sera dans le blé. Hein. Je me suis un peu failli. Ça va en faire de mettre de l'engrais là, je vais passer du temps. Hein. Hop.
Ouais, bah je suis pas terrible. Hein. Hop, je vais plutôt me mettre comme ça, alors je vois bien. Allez, c'est parti. J'ai envie de mettre de l'orge quand même. J'ai envie de mettre d'autres choses. Voilà, je mets ça. C'est mieux. Donc le maïs, ça va être cool, ça va changer un petit peu parce que le maïs, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas mis hein, quand même du maïs. Paka. Énervé. Donc là, la ligne que vous voyez au milieu, c'est une ligne que j'ai oublié de ramasser. Hein. Donc les lignes où il y a de l'engrais, là, comme celle-là. Là, là c'est les boues qui ont oublié d'être ramassées. Voilà, tout simplement. C'est quoi, 4? Oui. Bon, bah écoutez, on va ramener celle-là. Voilà. On va pas la laisser traîner. On va éviter de laisser traîner le matos au champ, quand même. Surtout le temps que ça pousse, normalement, ça met du temps. Donc, on va pas rester là à verdir. Hein. On va la mettre à l'abri. Ouais, plutôt bien. Plutôt tranquille. Ah, mais elle avance pas, en fait. Je pensais que ça avançait plus vite que ça. Voilà, j'ai zappé un petit peu. Ah, mais j'ai pas mis de betterave en fait. Ah, bah, les petits champs, je vais mettre des betteraves dedans. Ah, bah voilà, tout simplement. Je vais mettre des betteraves dans les petits champs. Vous inquiétez pas pour les bouts, hein, je vais faire les fourrières. Bah, je vais mettre des betteraves dans le 5 et 6. Comme ça, bah, on aura un peu de tout en fait. Un peu de tout. Ouais, voilà. Et là, qu'on aura fait cette récolte là, qu'on aura fait cette récolte là, on verra. Je pense après faire comme j'avais dit là. Je fais une semaine entière patate, une semaine entière maïs, une semaine entière voilà. En une fois quoi. Une semaine. Et comme ça, ce sera la fin de la série. Pour console. Voilà. Je pense faire ça. Et comme ça, s'ils sortent un nouveau DLC, un nouveau truc ou une nouvelle map, et bah, je serai prêt en fait. Voilà. J'aurai fini cette carrière. Bien sûr, je vous parle ça fera au moins encore 30 ou 40 épisodes hein, avant d'arriver à la fin. Et au moins, j'aurai fini. Et voilà, je serai plutôt fier de moi. Je pense que si on fait un truc comme ça, ouais, c'est clair que je pourrais dire que j'ai fini. Et ouais, on va faire comme ça. Je pense que ce sera plus cool. Ça pourrait être pas mal. D'abord, on récolte tout ce qu'on a semé là. Après, une semaine maïs, une semaine. Et comme ça, ceux qui. Je marquerai semaine spéciale maïs. Bien sûr, il y aura les autres vidéos à côté, hein, là, et des moutons et tout. Hein. Je ferai une semaine. Et vous aurez des doubles vidéos, c'est pas grave. Vous aurez des vidéos par jour, c'est pas grave. Mais au moins, je serais fier d'avoir fini comme j'ai pu finir Nos Amis les Bêtes. Hein, Nos Amis les Bêtes, j'ai fini, je suis plutôt fier de moi. Rembourser les dettes, j'ai commencé, j'ai fini. Hein. Qu'est-ce qu'on a fini sinon sur la chaîne? Le bois, The Alp. Pour moi, je suis content d'avoir fait The Alp et d'avoir fini. Hein. Franchement. Il y en a, ils sont un petit peu dégoûtés parce que voilà, on a fait que 5 épisodes, mais après c'est, on voulait pas vraiment montrer, je me suis trompé, on voulait pas montrer trop la culture dessus non plus, puisque voilà, c'était pas notre but. Notre but c'était de vous montrer le bois et voilà, juste le bois en fait, pas la culture, puisque la culture on vous le montre à chaque fois déjà. Faut pas oublier que pour l'instant peut-être vous n'êtes pas lassé ou des trucs comme ça, mais c'est sûr qu'un jour vous allez être lassé et puis moi je vais me dire bah ça y est je les ai lassés, je serai dégoûté quoi. Et donc franchement c'est pour ça que j'ai laissé tomber un peu le bois, puisque voilà il va avoir la fausse mode bientôt. Pour l'instant ils en ont pas trop encore. En fait, ils en parlent souvent sur leur Facebook, leur machin, ils sortent des nouveaux modes et tout pour cette fameuse map.
et ils n'ont toujours pas sorti en fait. Je pense qu'ils veulent vraiment que ça soit vraiment complet. Je pense que même tous les youtubeurs, qu'ils soient petits ou grands, vous allez voir qu'on va tous être sur la même map. Ça c'est clair et net, ça va être. Alors soit ça va bien se passer, j'ai envie de vous dire, soit ça va bien se passer et les mecs, on va tous s'entendre à merveille, personne va venir faire chier l'autre. Hein. Vous m'avez compris quoi. Ou bien ça va être un vrai bordel où tout le monde va crier au plagiat et tout. Moi il faut savoir que je crierai pas au plagiat, donc j'en ai rien à cirer, donc je serai pas dans le lot. Mais c'est sûr que ça va partir en couille. Hein. Surtout le premier qui fera son premier épisode et qui arrivera à le mettre en ligne en premier, alors lui c'est sûr qu'il va faire chier tout le monde après. Ça c'est clair. Donc on verra bien, soit ça va bien se passer, soit ça va s'insulter partout, et ça c'est clair. Parce que ce sera vraiment la map, vous allez voir que ça va vraiment être on va dire, ça va être la map la plus détaillée, j'ai envie de dire, depuis la sortie de Farming. Parce que c'est vraiment hallucinant tout le travail qu'ils ont pu fournir sur la map et tous les mods qu'ils ont modés rien que pour cette map. C'est hallucinant. Fait de pouvoir couper son bois, de le transformer en copeaux et tout, comme dans la. C'est vraiment un truc de malade. Un truc de malade. Si vous connaissez pas, tapez fausse mode dans la barre de Google, vous allez tomber sur leur truc hein, et vous allez voir sur leur page Facebook ou un truc comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment hallucinant la machine pour faire les copeaux et tout. C'est trop beau. Bref. Donc c'est sûr, il y a ça qui va sortir. Il y a quoi qui pourrait sortir encore que j'ai entendu qu'il allait sortir et que je suis intéressé moi. Non, je vais pas en parler. Non, je vais pas en parler parce que voilà, il y a des trucs que je peux garder pour moi et puis j'ai envie de vous faire la surprise. Je vais pas vous spoil. Ah oui. Juste une chose. Là, il y a des moutons V2. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Alors. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que nous, voilà, nous on est sur la V1, la simple en fait. Attendez, je vais faire quelque chose quand même. Voilà. Je vais rester avec lui. Comment vous dire? Oui, la V2, quand elle va sortir, ou je sais pas. Je vais changer un petit peu ma façon de faire un petit peu. J'ai décidé en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mon serveur multi-personne n'est plus en ligne. Je l'ai enlevé, tout simplement. Je l'ai pas enlevé en fait. C'est Verygame qui l'a enlevé. Parce que en fait, des petits malins sont venus sur le serveur et l'ont envie de dire. Ils ont fait un petit peu n'importe quoi, des poulettes. Bon, en fait, ils ont essayé de bloquer les véhicules, mais ils peuvent pas, puisque voilà, ça se réinitialise. Et ça a été un petit peu le bordel. J'ai même envie de dire que ça a été complètement le bordel. Franchement, les gens comme ça, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, parce que voilà, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Et ils en ont rien à foutre que je paye 60 € pour un serveur et que je l'offre à mes abonnés. Rien à carrer, complet. Hein. Donc, ça a été complètement le bordel. Il y a tout a sauté en fait. Et chez Verigan, ça a sauté. Donc, ils ont pas rallumé le serveur. Et donc je leur ai demandé de pas rallumer le serveur et moi j'ai pas envie de rallumer le serveur non plus. Donc je vais donc il faut bien que je me serve de mon serveur hein, quand même à 60 € quand même. Donc je pense jouer sur Belgique. Belgique. Sur la haie des moutons V2, le jour où elle sortira, pour l'instant elle sortira pas tout de suite. Hein, mais je pense jouer avec 10 joueurs en fait. Dessus. Sur la haie des moutons V2. Puisque faut savoir que la haie des moutons c'est l'une de vos maps préférées. Donc je pense jouer dessus complètement avec mes abonnés. Alors pour ce faire tout sera expliqué dans une vidéo. Ou bien d'ici là j'aurai peut-être trouvé une autre map, hein, puisque là j'ai envoyé un message pour voir pour voilà j'ai trouvé une nouvelle map et j'aimerais bien jouer dessus aussi et puis je vais voir en fait si je peux pas jouer avec vous dessus, tout simplement. Ou bien s'il y a un nouveau DLC qui sort, là on sait jamais, dans les 15 jours ou 3 semaines à venir, et ben on jouera tous ensemble. Donc voilà. Donc vous pourrez en fait jouer avec moi et mes trois acolytes.
Les trois alcooliques. Avec les membres de ma team, en fait, tout simplement. Et comme ça, vous pourrez être avec nous. Et puis, on va prendre, je sais pas, je pense qu'on va prendre un chat vocal, un truc comme ça. Ce sera beaucoup plus simple et il n'y aura pas besoin de Skype, il n'y aura pas besoin de se faire chier, en fait. Je vais voir comment je vais gérer ça parce que voilà, c'est histoire de trouver des solutions, en fait, qu'on puisse être ensemble, mais sans que ça me prenne des heures et des heures à vous dire, à vous dire, hey, les gars, j'aimerais jouer avec vous, voilà, et puis on se donne rendez-vous, et puis finalement il y a personne qui vient en rendez-vous. Là, je pense faire un petit peu, comme marche un peu le serveur Arma, en fait. Arma, les gens, ils peuvent rentrer dessus, et puis, oh merde, pourquoi ça fait un trait comme ça? Mais tout à fait pas ça. Voilà, les gens, ils peuvent rentrer sur Arma et puis vont repartir, ils peuvent dialoguer avec tout le monde et tout. Bah là, ce sera pareil, ce sera un chat vocal comme ça, et puis. Puis voilà, quoi. Comme ça, je pourrais toujours parler avec vous, et puis ce sera plus cool. Parce que voilà, j'aime bien le partage, hein. Je suis pour. Si je suis sur YouTube, hein, comme je le dis souvent, hein, c'est pour, voilà, le partage. Moi, j'apprends des tas de choses avec vous et vous apprenez des tas de choses avec moi, et voilà, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est, je suis gagnant, vous êtes gagnant. Putain, c'est chiant que ça fait des traits comme ça. Je suis gagnant, vous êtes gagnant, et puis voilà. Et puis, de toute façon, YouTube, ça a été créé pour ça, hein. Ça a été créé pour le partage. Donc voilà, redonner sa valeur à YouTube. Et je suis pas sur YouTube pour, comme diraient certains, soit pour se la péter ou pour montrer que moi je suis plus fort que toi ou toi. C'est complètement débile parce que c'est pas vrai. Avec le nombre de boulettes que j'ai arrivé fait sur mes vidéos, je pense que je suis loin d'être bon. Bon, je suis pas trop mauvais non plus, mais je suis loin d'être bon. Et franchement, il y a vraiment des joueurs qui sont vraiment très forts et qui sont plaisants, quoi, qui sont super cool. Comme j'ai fait mes rencontres sur la ferme de l'Estrême, franchement, j'ai trouvé des gens, mais vraiment adorables, tous. J'ai défendu, hein, parce que je sais pas si vous avez été voir depuis. Je sais pas si vous voyez quand je marque un commentaire ou pas, en fait. Tout simplement. Mais voilà, il y a des gens qui rataient pas, qui étaient durs à la critique. Ouais, c'est nul. Lui, il a une voix de Kikou, machin. Tu joues qu'avec des Kikou. Et je vous ai pas mal défendu. J'ai pas mal défendu les gens avec qui j'ai joué, hein, parce que franchement, même. Si la personne est mauvaise, même si la personne est très très mauvaise, même si la personne est assez chiant dans la vidéo, en fait, je la défends parce que voilà, c'est une personne qui était avec moi, qui a joué avec moi, qui a rigolé avec moi, et puis voilà, tout simplement. Moi, je défends les gens qui sont avec moi, et ceux qui sont contre moi, je les défends pas, hein. Au contraire, je les casse en deux, hein. Je les casse en deux. Vous avez vu ce que je suis capable de faire si on me fait chier, tout simplement. Donc, il y a aussi les moments où j'ai envie de rigoler. Si un abonné peut me rejoindre, comme il y a eu, je sais pas si, non, j'ai pas mis la vidéo encore en ligne. Ce sera une vidéo sur Arma 3. Vous allez voir, il y a un abonné qui m'a rejoint. Au début, on était sympa, plutôt, on était plutôt cool avec lui. Bon, bref, ça vous allez pas voir dans la vidéo, mais on était plutôt cool avec lui. Hein, donc petite dédicace. Oh putain, oh putings. Au début, on était plutôt cool avec lui. Alors tranquille, quoi. Et puis en fait, on s'est rendu compte. Ah, en fait, on a fait une petite boulette. On a fait une erreur, en fait. On l'a pris en hélico. On est parti faire de la. Bah, il est parti faire de la coque avec des membres de mon équipe. Et en fait, il ne parlait pas. Et il travaillait pas, il ramassait pas la coque, il faisait rien. Et en fait, nous, on a pris ça pour le gars, il est venu. Attends, il commence à nous casser les quoi. Franchement, un mec qui veut jouer avec nous et qui travaille pas et qui nous regarde pendant qu'on est en train de nous stresser ou en train de progresser sur le truc, et il faisait rien. Et donc, on s'est dit, bon, on a culbuté. Et donc, on lui a collé une balle en pleine tête. On lui a collé, Baxter lui a collé une balle en pleine tête et il a cru. Et donc il est mort. Et donc après il a réapparu. Et en fait à partir de ce moment-là j'ai commencé à filmer parce que en fait il a commencé à parler. Et en fait il nous dit, il nous a expliqué en fait qu'il était en train d'essayer de, mince, de régler son micro en fait. Et nous,
On ne comprenait pas en fait pourquoi il bossait pas. Tout simplement parce que en fait il venait d'acheter le jeu et il ne savait pas s'en servir en fait. Et nous on a pris ça en fait pour la provoquer. Le gars il nous provoquait. Et donc on l'a bien charrié en fait. Mais il nous a expliqué ça à, je sais pas moi, peut-être largement après la vidéo et nous on savait pas. Et donc nous on l'a massacré quoi. On s'est bien moqué de lui alors que tout simplement lui il se moquait pas de nous. Mais bon c'était plutôt drôle. Vous verrez dans la vidéo que c'était plutôt drôle. Bien sûr depuis il nous a fait des boulettes hallucinantes puisque moi je suis retourné un petit peu sur Arma 3 et sans filmer en fait. Et en fait il m'a explosé mon hélico, il m'a tué, machin. Et après quand j'ai eu une discussion avec lui, il m'a dit bah, je savais pas que c'était toi, je pensais que c'était la police. Et donc je lui ai expliqué comment on fait pour repérer qui est dans l'avion, machin et tout. Donc maintenant il sait le faire. Donc j'espère qu'il sait le faire parce que voilà, il m'a quand même flingué quoi. Mes vannes étaient justifiées. Donc de toute façon je vais expliquer avant que la vidéo commence qu'on était là pour le troll et tout ça, que quand on a commencé à le troll pour ça, tout simplement, et puis voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste là? Donc lui il a presque fini. Et lui mon mode samouraï. Et lui tranquille. Donc la prochaine fois on va se retrouver. Bon j'aurai tout traité. Donc ce sera la semaine prochaine. J'aurai tout traité. Tout aura poussé. On n'aura plus qu'à faire une bonne récolte. Donc je vais mettre une moissonneuse au blé. Une moissonneuse ici là à l'orge. Et on fera ça tranquille. Ensuite après je pense qu'on fera on fera mince le colza. Et ensuite seulement les patates, parce que les patates mettent plus de temps à pousser, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Les patates mettent beaucoup plus de temps à pousser que le blé, hein. Le blé a largement poussé, l'orge aussi, le colza. Donc voilà. Donc je pense que la vidéo est bien aujourd'hui, 40 minutes à peu près. Ouais, ça fera à peu près ouais, 35 minutes. 35 minutes, je pense que c'est plutôt pas mal 35 minutes pour une vidéo sur console. En plus, je suis en mode détente un peu, parce que voilà, il est dimanche, c'est tranquille. Donc voilà. D'ailleurs, il faut que j'investisse dans un Avermedia live capture. Ouais, c'est ça. Et donc, on pourra carrément faire des lives sur console. Et ça, c'est plutôt pas mal. Faudrait voir ça, ouais. Faudrait voir ça, parce que faire des lives sur console, ça pourrait être. Bah, s'il y a une nouveauté qui sort, en fait. Ça pourrait être pas mal, parce que voilà. Faire un live sur console, ça. À voir quoi. À voir s'il y a vraiment un avantage à faire des lives sur console. Parce que s'il y a que ça pour l'instant et que ça bouge plus jusqu'en 2015, on est mal barré. Hein. Bah, jusqu'à la sortie de Farming 2015, je veux dire. Donc on est mal barré sinon. Donc, s'il pouvait mettre. Une vidéo trailer là, ouais, bientôt un nouveau DLC, ce serait plutôt cool. Au moins, j'investis dans un truc plutôt pas mal, et puis voilà. Parce que les lives, c'est bien. Moi, j'aime bien sur PC, franchement, c'est. Tiens, je vais en parler vite fait, pendant que j'ai 5 minutes, pendant que je suis en mode détente. Les lives sur PC, j'adore. Franchement, je suis au contact. Là, je suis vraiment au contact je suis avec vous, quoi. Je fais une boulette et tout, vous êtes là, ou bien vous n'êtes pas là, parce que l'autre jour on en a fait une en live, vous étiez absent, hein, à mon avis. Hein. Et pourtant vous étiez tous là, vous étiez nombreux sur le live, et voilà, on a fait une boulette, et personne n'a réagi à temps. Bref, donc j'adore les lives, parce que voilà, c'est vraiment génial. C'est des tas de questions, c'est des tas on rigole bien quoi, franchement c'est moi je rigole, j'adore, mais par contre j'aime pas la qualité 480p, pour moi je trouve ça débile. Donc je suis en train de travailler avec un ami en fait pour voir si on peut pas aller directement sur Twitch TV, faire des lives directement sur Twitch TV et vous aurez la rediffusion sur YouTube. C'est-à-dire que la rediffusion sur YouTube pour ceux qui ratent, admettons le live, ceux qui ratent le live, en fait ils auraient la rediffusion mais en HD. Et là je serais trop heureux parce que voilà, en HD pour moi ma chaîne YouTube, j'ai vraiment envie qu'elle reste en HD. Alors, je l'avais dit dès ma première vidéo, j'avais dit ma chaîne YouTube, c'est je fais des vidéos en HD pour la qualité, et puis voilà.
mais vraiment pour la qualité, parce que voilà, déjà, vous êtes déjà aussi nombreux à regarder les vidéos, et si je suis pas capable de faire de la qualité, bah, vaut mieux arrêter, hein, ça c'est clair et net. Donc moi, la qualité, c'est vraiment très, c'est quelque chose de très très important pour moi. D'ailleurs, ça s'est vu, hein, quand j'ai eu des problèmes de micro et tout, j'arrêtais le truc, hein, j'avais rien à carrer. Pour moi, la qualité, c'est vraiment important. J'ai eu beaucoup de boulettes parce que voilà, je savais pas faire, hein, il faut dire ce qui est en fait, je savais pas faire. Et puis voilà, j'ai l'épisode 3 et 4 de cette carrière qui est pour en acheter. J'ai quelques vidéos qui est problème de micro, bref. Mais vraiment, j'essaye vraiment que la qualité soit tout le temps 720p. 1080p, après, je pourrais le faire, mais par contre, ça mettrait, bah, ça me prendrait déjà plus de temps à mettre en ligne. Et je vais vous dire que j'ai pas beaucoup de temps pour les mettre en ligne. Je les mets la nuit, mais quand je les mets la nuit, j'en mets pas une, hein, j'en mets deux. Souvent, j'en mets deux parce qu'il y a celle. En fait, il y a celle que j'ai fait le soir même et celle que j'ai fait la veille. Bon, voilà, ça va vite, hein. J'en mets deux des fois j'en mets qu'une. Et je les mets comme ça tous les soirs. Et puis bah, le lendemain matin, des fois, ils sont pas mis en ligne, hein, parce que j'ai vraiment une connexion merdique. Vraiment une connexion merdique de chez merdique. Faut compter, ouais, je vous dis, hein, c'est entre. Des fois ça varie, des fois ça peut mettre 400 minutes, ou alors ça peut mettre 2000 minutes. Hein. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Hein. 2000 minutes, ça m'est arrivé pendant 15 jours, les 15 jours qui sont venus. Je peux te dire, là j'avais la haine. Et pour la haie des moutons, épisode 30. Celui-là, j'ai payé cher. Hein. Purée, j'ai presque mis 4000 minutes parce qu'en fait, au bout des 2000 minutes, il y avait marqué 95%. Ça ne bougeait plus de 95% parce que l'ordinateur, ça avait fait une micro-coupure et donc ça avait arrêté la mise en ligne. Et donc, j'ai été obligé de supprimer la vidéo et de la remettre en ligne. Donc voilà, j'étais vraiment dégoûté. Donc voilà. Donc, ouais, pour ce qui est de la qualité, donc je pense j'irai sur Twitch TV. Et sur Twitch TV, je pense que je pourrais faire des lives. Bah, je verrai bien. Si je peux pas faire en 720 sur Twitch TV, bah, je le ferai en 480. Et ils seront en upload. La rediff sera en upload après sur la chaîne YouTube en 720 ou en 1080. On verra. Là, suivant si je peux vraiment mettre en 1080, je le ferai. Et puis voilà. Et ça vous fera des magnifiques vidéos. Donc je travaille là-dessus. Hein. Je travaille sur plein d'autres projets aussi. J'ai plein de nouveautés qui vont revenir, qui vont venir un petit peu secouer la chaîne, j'ai envie de dire. Vous secouez-vous, quoi. Non, mais secouer la chaîne, il y a vraiment plein de choses. Et bon, voilà. Vous serez au courant bientôt, je ferai une petite vidéo, machin. Tranquille, ce gars. Donc, moi, je vous dis sur ce, on a fini de semer ça, nickel. J'ai encore les betteraves à mettre, moi. Alors, il y a où mes betteraves. Ouais, donc, je vais rester avec lui. Moi, je vais prendre le tracteur après et puis je vais aller mettre des betteraves. Donc, sur ce, bah, moi, je vous dis bah, à la prochaine. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et ciao. Allez, salut les mecs.